Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 6 de Layers of Fear. Aujourd'hui on se retrouve pour le DRL de le DLC Inheritance. Il me semble que dans ce DLC on joue la fille de notre personnage psychopathe préféré du jeu en principal en fait. Pourquoi je me perds dans les détails. Paf. Et cette fois-ci j'ai le timer dès le début donc on est parfait. Alors, plongeons-nous dans l'histoire de Layers of Fear in the Return. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. Excusez-moi. Je sais pas si t'as entendu, mais bon, elle gargouille. The screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. L'instabilité mentale et le machin et la mort sont des. J'ai pas le temps de finir. Bon. Appuie sur F pour allumer la lampe torche. Oh non, ça va être encore pire que le premier. Il y a de la musique. Oh, it reeks in here. On pourra faire du morse avec. Ah! I swear that dog doesn't shut up. Oh, ça commence bien. Ouf. Bon, ça commence à me scrimer la gueule comme ça, ça va pas. Ah putain, j'étais en train de me dire, je suis passé où? Oh? Ça avait été muré? Ah, oui. Oui. Quand on achète un chien, on évite de l'acheter pour le faire cuire. Hein. Ah, non. Oh, j'étais sur une torche. Oui? La boîte à Léa? Sens non. Ah. Oui, il y a moins de logique, ils ont coupé l'eau. Oh, un bouquin sur Hawaï. Hawaï, pourquoi attendre d'aller en enfer? Tu le mérites dès maintenant. Ah, alors par contre les mouches c'est ultra désagréable. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah! This place is a mess. I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastards. You're not getting away this time. What the hell are you doing in there? Bon, alors ce DLC a l'air d'être un peu plus orienté screamer. Oh, le vieux trou dessin animé rajouté à l'arrache. Y'a pas de... Oula. Oh putain. Lampe de merde. Alors ça, c'est son bureau, on ira en dernier. La cave aussi, hein. Oh, quoique. Non, je pense que c'est fait en sorte que. Ah, bah pour une fois, ça fait peur au PNJ, mais pas moi. Ah, je peux pas passer? Ah, si, quand même, merci.
Alors de face je pouvais pas passer, mais de profil je pouvais passer. Ah, y a un truc là-bas. Y a de la lumière? Oh! Ah! Oh putain, non! Bonjour papa. Oh. T'as l'air d'être joyeux, tu vas pas me tuer. Parfait, merci. Alors du coup, on a pas vu ce que c'était le dessin parce que j'ai cliqué un peu vite. Ah ah, il y a un truc là. Cher monsieur et madame Christen, je vous implore à nouveau de nous rendre ma fille. Rendez la mort, 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 avec mes salutations les meilleures. Ok. Barvet, eh bien non, je suis très contente. Je parle pour la fille. Je suis très 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 contente que tu ne m'aies, que oui, qu'ils ne m'aient pas rendu. Je vais t'arrêter. Ok. 1, 2, 3, nous irons dans les bois. 4, 5, 6, je finirai pas cette phrase. Voilà. Il y a le cellier. I wonder when was the last time this place saw sunlight. Hier matin. Oh putain de merde. Ah, bah y a un truc qui s'est déclenché, je sais pas quoi. Ça charge. Oh. Ok, pinceau ou feutre? Ah, il est au feutre, hein? What are you doing? Put that down. Ah! You're much too old for that childish nonsense. Ah! Effectivement, on va prendre le pinceau du coup. Finally, are you ready to embrace true art? Yep. Oh, the summer trees, so green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser, have some stories to tell. J'aime bien l'automne. Il y a du vert. Ah, cette bougie a un problème. Oh putain, au choix. Ah bah tiens, les bleus, ça va être l'hiver à mon avis. Oh, they sway in the breeze, but are none the wiser, just like you. Ah bah merci. Ça fait toujours plaisir. Non, à mon avis, il faut que je prenne toutes les couleurs du coup. Parce que j'ai mis le vert. Oh, they sway in the breeze, ah. But are none the wiser. Non. Just like you. Brilliant. Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. Ok. Putain, calme-toi le vieux là. Ah non, non. J'ai entendu un chien, je vais pas me faire bouffer quand même. Ça me ferait un peu chier. Oh. Non mais je veux bien, mais tu les as rangés où tes rouleaux de peinture dans ton fion? Bonjour la bougie. Je vais vous oublier ce que c'est. Ah. Du rouge. T'aimes le rouge? Ouais, tout, t'as peint ta toile avec du sang. Alors, pour être plus con que ça. Hein. Ah, yes, the autumn of life, when man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Quand le ciel se couvre. Quoi, je dois trop. Je dois. Ouh.
Ouf, 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 putain, ça a changé d'un coup. La vache. Quand le ciel se couvre. Ouais. Et les cornes de cerf. Là, le gris. Chutera. Calme. Fuck. Demi-tour. Demi-tour, 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 demi-tour. J'ai du noir, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ah. Ah. Et du jaune, tu m'engueules si je te mets du jaune? Cette forte probabilité. Oui, effectivement. Là, j'ai juste voulu te faire chier. Bah, le problème, en fait, c'est que là, il y a jaune. Hein, là, il y a jaune, n'est-ce pas? Là, j'ai pris du jaune. No, put that down. You are doing so well. What are you doing? Put that down. You're much too old for that child. Ah non, putain, non. Ah merde. Finally, are you ready to embrace merde. True? Ah, yes. Ah. Ah, Autumn of Life, c'est bon, on l'a. Pardon, excusez-moi. Ah, j'ai peur, j'ai cru que d'aller venir. C'est du gris, ça. Ça te convient pas, le gris noir? Pour assombrir les cieux? Oula. Ah, écoute. On peut discuter. Oh. Excusez-moi, pardon. Comment ça? Comment? Attends. Ça là-bas. Ça bouge. Ah ah! Allez, inertie, inertie. Pardon. Non, 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 non. Ah, ok. Mais là, le bébé qu'on entend pleurer, c'est moi. Alors, moi du passé, emmerde pas moi du futur. Oh, vos gueules! Voilà! Là, je peux récupérer la peinture. Ok. On va repartir pour peinturer. Pour peindre. Oui, j'aime peindre. Là, putain, le parcours du combattant qu'on doit se taper juste pour aller chercher un pot de couleur, quoi. Tac! You see, in the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Éclairons le tableau. Bah, j'imagine qu'il faut le tube jaune. C'est chaud. Chut, le chien. Méchant chien, chut. Non, ça c'est du vert. Là, il y a du rouge. Putain, il était où le jaune? J'ai oublié. Je tourne en rond là, n'est-ce pas? Oh merde! Il y a vraiment un putain de chien, d'accord. Ah ah, voilà le jaune. Ah putain, je peux pas corriger le jeu. Mais il y avait le chien. Ah! Ferme ta gueule, le chien. Ferme ta gueule.
Pourtant, j'aime bien les... J'adore les chiens, mais putain, quand ils commencent à essayer de me becquer le fion, et me faire peur, là, je les aime plus. Eh? Qu'est-ce que c'est-il? Donc oui, là, accessoirement, la folie est contagieuse dans ta famille. Ah, par contre, ça fait 12 fois que je fais le tour, alors j'aimerais bien arriver au centre là, pour une fois. Mais putain! Merde. Comment je retourne au centre? Il y avait une porte là! Ah ah! Te barre pas, te barre pas, te barre. Yes! D'accord. That's right. The sun bestows its kind rays upon the land. It's getting warmer and warmer until finally. Marvelous, isn't it? I know it seems like a tragedy, but a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. Non. In his own way, I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. Oh. Ah putain, il va y avoir un dessin à faire. Non, toi tu restes là. Et non! Ah! Relou! Ah! C'est au milieu ça plutôt. Ah, donc en fait on va avoir des dessins à... Oh, la peinture rouge. Ah. J'aime bien les modèles comme ça, c'est très drôle. Donc il va falloir qu'on trouve tous les petits trucs. J'en ai pas loupé en bas, j'espère. Écoutez, on va passer en haut, on a trouvé 3 en bas, on devrait en avoir 6 en haut, hein, puisque le haut est plus grand que le bas. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Matos chinois. Ah ouais, que putain de Magneto. Ah ah! Oula. On peut manquer de 4, 4 sur 9. Huh. I don't remember that being there. Ah putain! I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. Oh, it hurts so much. I can't take it anymore. Et je suis censé faire quoi? Mais j'essaye! En fait, ils étaient tous starbés dans cette famille de merde! Oh. La chambre des parents, ça. Ah, c'est fermé. Méchante lampe, ta gueule. Oh. Tu me tombes pas sur la gueule, toi. Ah! Oh non, le bureau, c'est le pire. Quand je vais aller à la porte, il va débouler comme un fou.
Ok, on peut arrêter de me lancer des cahiers s'il vous plaît, je suis un enfant là. Ah. C'était fermé mais ça s'est ouvert à force d'insister. J'ai l'air d'être dedans. Oh, come on, don't be afraid. Tu veux maman? Here, try for yourself. Hein? Non, non, that's not quite right. Still not quite there. Whoever's pounding on that piano, quit it. Did I not make myself clear? Yeah. Ok, où sont mes crayons? Putain, c'est drôle d'être un enfant. Ils sont là mes crayons? Non, ils ont pas. De toute façon, je peux pas voir au fond. Mes crayons. Mettez surtout pas maman. Hein. Mes crayons, non, il y a la putain de. Je sais pas ce que c'est. Mes crayons. Je sais pas où sont mes crayons. Ah, mes crayons. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'écris sur le piano? Oh! Oh! Attends. Bleu. C'est une super idée, ça, putain. Ah, maman, il y a un problème avec les meubles. Ah oh oui, je peux les bourrer encore. Bah, bah, bah. Oh merde. Pardon. Est-ce que je peux mourir dans le feu? Je fais quoi? Je retourne à la porte. Je me la fous dans la gueule, accessoirement. Bon, dès qu'on aura fini ce souvenir, on arrêtera l'épisode là. Oula. On avait un souvenir heureux là, pourquoi le rendre désagréable? Non mais ok le jeu, hein. Je vois quel genre de truc de. Quel genre de trou du cul tu es. Ah non, ce pédé de fauteuil roulant là. Il va me faire des saloperies de fauteuil roulant de merde. Là ça va être fermé, j'ai le droit de me retourner, il va être devant moi. Oh. Ah, un portrait de maman. Eh ben écoutez, non, on va s'arrêter là et on se retrouvera la prochaine fois pour le 7e épisode. Tchou tchou.